Mesdames, messieurs, notre émission va commencer. Thème radio en modulation de fréquence vous propose Histoire de la radio. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, pour votre émission radiophonique Histoire de la radio, numéro 82 d'Au bon vieux temps de la TSF, présentation de Père Chicot par Henri Boudet, en revenant de la revue, interprétée par Père Chicot. Les costumes sont de Donald Cardwell, les décors de Roger Hart et les chorégraphies de Reda. Allô, allô, ici le micro de la Redoute. Vous allez entendre, comme chaque semaine à ce poste, le quart d'heure des vedettes. Ce soir, à notre micro, le populaire chanteur Père Chicot, présenté par M. Henri Boudet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez entendre le populaire chanteur Père Chicot, mais avant de lui passer le micro, permettez-moi une surprise. Ce soir, dans notre studio, nous avons la visite d'une charmante et trop modeste jeune personne que je veux vous présenter puisque l'occasion m'en est offerte. Mon Dieu, tant pis si sa modestie doit en souffrir un peu. Approchez, mademoiselle. Je vous présente Francilène. Francilène, qui ne vous est certainement inconnue que de nom. Francilène, c'est la bonne fée de la maison. C'est elle qui représente la redoute auprès de la grande famille de ses fidèles auditeurs et clients. Nous lui fondons les honneurs du micro pour que désormais la liaison entre nous soit encore plus étroite. Je me réjouis de pouvoir vous dire quelques mots. Vous savez que le but que nous poursuivons depuis plusieurs mois est de vous apporter chaque semaine un quart d'heure de délassement pour mieux entretenir nos bonnes relations. D'ailleurs, à ceux de nos nouveaux auditeurs qui m'écriront à la Redoute à Roubaix, je me ferai un plaisir d'envoyer notre beau catalogue illustré, qui leur permettra de faire aussi connaissance avec nous. Mais j'abuse de votre patience. Je passe donc le micro à Père Chicot. Mais mon cher Père Chicot, vous voilà en sportif aujourd'hui. Et pourquoi pas? Mais voyons, Francilène, ignorez-vous donc que Père Chicot a été une de nos gloires cyclistes? Eh oui, bien ou mal, on tourne toujours. Après les tours par des points, ce sont les tours de chant. Et allons-y pour un nouveau tour. Voici d'abord une chanson du répertoire Paulus, En revenant de la revue. Paroles de Delormel et Garnier, musique de Desormes. Je suis chef d'une joyeuse famille, depuis longtemps j'avais fait le projet d'amener ma femme, ma sœur, ma fille, voir la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, encore nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant, moi je donnais le bras à belle-maman. Chacun devait emporter, quoi pouvoir boulotter. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait de Jean Bonneau. Ma belle-mère comme fricot avait une tête de veau. Ma fille son chocolat, ma sœur ses deux œufs sur le plat. Qu'est-ce content, nous marchions triomphants, en allant à longchamp le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt nous enchons, l'on foule la pelouse. Nous commençons par nous installer. Puis je débouche les 12 litres à 12 et l'on se met à saucissonner. Tout à coup l'on crie vive la France. Crédier, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qu'aime les pompiers acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains quand défile les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en remuant les spahis. Moi je ne cessais de crier vive le général Boulogne. Qu'est-ce content, nous étions triomphants de nous voir à Longchamp le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. En route, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir en brun. Mais à force de licher les verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Et le soir, lorsque nous rentrons, nous sommes tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramenait un fantassin. Ma fille qui avait son plumet sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon embrassait un dragon. Ma belle-mère un petit trou galopait au bras d'un turco. Et qu'est-ce content, nous allions triomphants en revenant de Longchamp le cœur à l'aile. Sans hésiter, nous venions d'acclamer, voir et complimenter l'armée française. Hey, hey.